Corner du match. Il met la tête et c'est dedans en but. Aucun round d'observation. Le capitaine frappe d'entrée. Ah oui, il fallait pas arriver en retard pour ce match. Espérons qu'il reste sur la même lancée. Chance sur ce coup. On sait de quoi il est.
pousse physiquement dans ce duel. La faute. Luis Gustavo. Payet qui a déjà pris le pas sur la défense. Il allonge. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampons. L'Olympique de Marseille qui peut construire pour trouver la faille dans la défense. Il tire. Oh, quelle frappe à quelques centimètres. Obligé de reculer. Il joue en retrait. Eh oui, il n'avait pas de solution là. Oh, voici Thauvin. Une occasion. Il est passé. La passe interceptée. Ouf, un peu d'air. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Quel bilan peut-on faire de cette première période ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Grégoire, mais je pense qu'il mérite beaucoup mieux. Regardez les stats, et surtout le nombre de tirs. Un seul petit but d'écart entre les deux.
corner et évidemment il en a profité. Il peut frapper. Attendez, oh non, il est hors jeu, dit l'arbitre. Oui, c'est dommage, il y a hors jeu, effectivement. L'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Allez, il faut oublier vite ce but refusé. Le jeu va reprendre.
3-0. Festival des attaquants aujourd'hui, ils ont fait mal, ils ont surtout connu énormément de réussite, le score peut en témoigner. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match? Ils n'ont pas fait dans le détail en marquant sur la toute première occasion, après ça ils étaient lancés et c'est logique qu'ils gagnent aujourd'hui.